Direct vite fait. Ce n'est que mon rituel du mois. La manicure. Donc là, je suis au salon. Je veux que je ne fasse pas le bruit, mais bon. En même temps, quand je suis dehors et que je regarde internet, les choses que je vois ne m'intéressent pas. Je suis dans un salon. Là. Comment allez-vous ce matin? Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Oh merde, pardon. Désolé. Je vais vous enlever la lumière, comment on appelle ça. Bien. Comment allez-vous ce vendredi, ce week-end? Je ne saurais pas être dans... Laisse, c'est pas le tissage, c'est la pelure. Je voulais changer un peu mes trucs là, ça me rend bizarre. Je voulais changer un peu mes trucs. J'aime changer la tête. Même si parfois les têtes, certaines têtes ne vont pas bien comme celle-là. Mais je me force quand même à la porter. Les choses qui me coûtent de l'argent, il faut porter aussi. Alors, après c'est moi. Voilà, je disais que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre au Gabon, dans tous les sens. Parce que la guerre, c'est pas forcément celle-là où les gens se tirent les armes. La guerre, c'est pas forcément où on détient les armes contre une personne ou bien contre un peuple. Là, nous sommes en guerre dans le sens propre du mot guerre. Je vais me lever parce que je ne peux pas parler comme ça. Je vais respecter les autres. I'm back. Sorry. Je vais respecter les gens. Je viens dehors. Donc je disais que nous étions en guerre. Donc voilà. Nous sommes en guerre tout simplement parce que lorsqu'on tue un peuple, lorsque le peuple devient une bataille, une bétail autant pour moi, ce n'est plus quelque chose de dire que c'est les crimes rituels. Avant, on pouvait ramasser les enfants la nuit, la journée, je ne sais pas. Maintenant, c'est en plein jour, dans les taxis, c'est les enlèvements permanents, c'est les enlèvements à tout bout de champ, c'est monnaie courante. Donc moi, j'ai dit ici au peuple gabonais que nous sommes en guerre. Comprenez bien le mot guerre. La guerre, ce n'est pas forcément une guerre d'armes. Nous sommes en guerre contre le gouvernement. Le gouvernement est rentré en guerre contre nous. Les politiciens sont rentrés en guerre contre le peuple gabonais. Les politiciens gabonais sont rentrés en guerre contre le peuple gabonais. Et ça, c'est la vérité. Si on ne met pas ça dans nos têtes, que nous sommes en guerre, nous mourrons un par un. Un par un. Donc, comme nous sommes en guerre, nous allons répondre à leur guerre. Nous allons répondre à leur manière d'agir. J'ai vu une vidéo, elle ne m'a pas traumatisée, là où on bat un voleur à mort. Elle ne m'a pas traumatisée du tout. Autant pour un voleur, ça m'a énervée, mais que c'est pour ces criminels, ça ne m'a pas heurtée. Je dis la vérité, je n'ai rien ressenti du tout. Alors ici, ce que moi je vais demander au peuple gabonais, comme nous sommes en guerre contre eux, que eux ils sèment, c'est pas comme le porte-parole est venu dire que non, c'est nous qui semons la spicose, ou spicologique, ou spicose. C'est nous qui semons la spicose. Ce sont eux qui sèment la spicose dans notre pays. Comme le Gabon est rentré en guerre
contre le gouvernement. Ils ne se gênent plus, ils arrêtent nos enfants la journée, ils font des kidnappings dans les taxis, c'est-à-dire que les parents n'ont plus la sécurité nulle part. Même dans les écoles, on enlève les enfants. Donc nous allons rentrer dans leur guerre, nous allons reprendre leur guerre par la même manière. Il faut que les gouvernants de notre pays se sentent en danger. Il faut que les politiciens de notre pays se sentent en danger. Cher peuple gabonais, il faut que ces personnes se sentent en danger, croyez-moi. C'est la seule manière aussi de notre côté de se faire respecter. J'ai vu que vous avez attrapé un kidnappeur. Bravo, vous l'avez réglé son compte. Mais ça, ce n'est pas la bonne technique. Parce que c'est comme je vous avais dit pour le voleur. Le kidnappeur, il est mort. Mais les commanditaires sont toujours vivants. Les commanditaires vont chercher d'autres personnes. S'ils n'arrivent pas à envoyer les Gabonais, ils vont envoyer les Camerounais. S'ils n'arrivent pas à trouver des Gabonais, ils vont chercher des Camerounais, des Béninois qui viendront nous tuer. Donc ici, les seules personnes dans un premier temps qu'on doit abattre, qu'on doit éliminer dans notre pays, ce sont les gouvernants. Parlons des choses comme il se doit. Excusez-moi. Les seules personnes aujourd'hui qu'on doit régler les comptes, ce sont les gouvernants. Je lis dans un poste, je ne sais pas si c'est dans un poste où on me l'a envoyé, où c'est écrit qu'un des voleurs qu'on a attrapé a cité le nom de Nkorbe Kale. Voilà. Il faut que je trouve le poste. Excusez-moi que je ouvre l'autre téléphone. Vous savez que moi, j'aime lire avec les preuves à la pub. Alors, que la personne, le voleur, dit ceci, qui me l'a envoyé, vous savez, après moi, il faut que je cherche après mes envoyeurs, là. De m'excuser, oh là là, c'est dans l'autre téléphone, merde. C'est pas grave. La personne dit dans son poste que, c'est dans le téléphone avec lequel je vous écris, fais le live. La personne dit dans son poste qu'on a attrapé le voleur et que le voleur a donné le nom d'un Nkorbe Kale. Vrai ou faux, c'est pas mon problème et on sait tous ici que ce sont ces ministres, ces députés, ces généraux, ces personnes du pouvoir qui tuent, qui envoient les enfants pauvres, de tuer d'autres enfants pauvres. Donc prenons l'exemple palpable ici. Nkorbe Kale a été cité comme le commanditaire d'enlèvement. Vous connaissez bien où habite Nkorbe Kale. Vous connaissez les parents de Nkorbe Kale. Vous savez où est sa maison, cher peuple gabonais. Évitons d'avoir peur lorsque nous sommes en danger. Ici, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, l'autorité contre le peuple gabonais. Puisque nous avons déjà le nom d'un coupable, alors réglons le compte à ce coupable. Après avoir réglé le compte à Nkorbe Kale et à ses enfants, il faut régler le compte maintenant aux petits voyous qui acceptent de tuer leurs compatriotes pour des miettes d'argent, pour des miettes qui ne leur amèneront nulle part, pour les miettes provisoires. Peuple gabonais, en 50 ans de pouvoir, on va dire en 42 ans de pouvoir de Bongo Père, le Gabon n'a jamais, au grand jamais, commis autant d'enlèvements, autant de tueries, autant de maltraitance. Je ne suis pas en train de donner raison à ce connard de Bongo Père. Mais nous savons que le Bongo Père, ses crimes étaient presque tabous. Avec Ali Bongo Ondimba, avec Akrobessi, avec Souleymane, ce n'est plus tabou, c'est devenu monnaie courante d'échange. En pleine journée, on t'enlève ton enfant. En pleine journée, on kidnappe des enfants. Et personne ne dit mot. Ici, je m'en fous qu'on va tuer. On va tuer tous les petits voleurs là. Il y aura encore d'autres voleurs qu'on va acheter. On va tuer tous les petits enfants du quartier là. Les petits minables là qui n'ont même pas de dignité, qui n'ont même pas de personnalité en eux. Mais des vrais assassins, des vrais criminels resteront toujours là. Aujourd'hui, il faut répondre à cette guerre arme par arme. Tu tues mon enfant, je te tue. La règle ici, elle est simple. L'équation, elle est simple. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas de courage. J'ai envie de dire que parce que beaucoup d'hommes gabonais n'ont pas de couilles. Oui, parce que beaucoup d'hommes gabonais n'ont pas de couilles.
Parce que les enfants qu'on attrape là, ce ne sont pas des mères qui doivent forcément aller tuer les ministres. C'est-à-dire ces enfants-là sont issus d'un père, des mères. Il y a un homme qui a donné le chromosome à cette femme-là pour mettre cet enfant au monde. Et au Gabon, il n'y a pas assez d'hommes qui ont des couilles. Vous êtes tout simplement une bande de personnes qui n'arrivent pas à défendre leur progéniture. Vous pouvez dire que dans 1 million Gabonais, il n'y a pas assez d'hommes pour se lever et commencer à traquer tous ces ministres, tous ces députés, tous ces généraux. Vous commencez à mettre une opération en place pour dire stop. Vous allez marcher jusqu'où? C'est parce qu'on va marcher qu'ils vont arrêter de tuer nos enfants? C'est parce que nous allons marcher qu'ils vont arrêter de tuer nos enfants? Il faut que la marche s'accompagne avec un acte. Nkombe Kale a été cité. Il faut que Nkombe Kale serve d'exemple. Il faut qu'il soit un exemple national. C'est tout bête. C'est tout bête. Nous sommes en guerre au Gabon. Pourquoi faire semblant? Vous appelez, c'est quoi vous appelez la guerre? Qui peut me donner la définition d'une guerre? Donnez-moi la définition d'une guerre. Qu'appelle-t-on guerre? Lorsque un camp meurt, un camp est victime et d'autres camps tuent, qu'appelle-t-on guerre? Nous sommes quoi? Vous allez appeler ça comment? Génocide? Nous sommes dans le génocide gabonais. SOS, alerte gabonais, c'est tout ce que nous on sait faire. SOS, on va demander SOS. SOS, alerte gabonais, nous sommes en danger, on demande SOS à qui? À qui demandons-nous SOS lorsqu'on attrape nos enfants en pleine journée? À qui demandons-nous, à qui appelons à un SOS ici? Nous lançons les SOS à qui autant pour moi? Au Camerounais? Au Béninois? Peuple gabonais? Il n'y a plus de Gabonais dans ce pays. Il n'y a plus d'hommes dans ce pays. Il n'y a plus d'hommes pour sauver les enfants gabonais. Il n'y a plus de pères, de maris pour sauver les enfants gabonais. Vous avez peur, vous restez dans vos maisons. On attrape les enfants. Vous, le petit que vous avez tué là, ça, ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'un microbe dans comment on dit ça? Ce n'est qu'une aiguille tombée dans une boîte de foin. Ce n'est qu'une petite aiguille. C'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, celui que vous avez attrapé là. Parce qu'ils sont beaucoup. Si je suis une dealeuse ou je suis dans un réseau de mafia de drogue, je vais appeler ça comme ça, drogue, trafic de drogue, de stupéfiants, ou bien je fais de placement ou de la prostitution, comment on appelle ça, même les gens qui placent les enfants, là, je ne sais plus quoi. Lorsque on fait le service secret, commence à chercher, ils vont se servir des appâts, ils vont se servir des vendeurs de drogue, là, de mes employés, pour m'attraper, parce qu'ils savent très bien que c'est moi l'origine, c'est moi la coupable. Donc les services secrets vont mettre les espions pour chercher à mettre les espions dans mon camp pour m'attraper. Et jusqu'à ce qu'on m'attrape, ils ont dit que non, on a attrapé le gros lot, on a attrapé la tête, mais on a coupé la tête. Et c'est comme ça partout, on coupe les têtes. Il faut couper la cellule mère. Il faut détruire la cellule mère pour qu'elle se génère. Elle ne se génère plus. Et la cellule mère ici au Gabon, ce sont tous ces députés, tous ces ministres-là. Comment allons-nous répéter la même chose every day, every time? Il n'y a même pas une semaine, on nous sommes en train de parler du petit Renadine qui n'a pas encore été retrouvé. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'au PK 8 ou au PK 7 ou au PK 6, dans les PK, on a attrapé encore deux enfants. On a kidnappé encore deux enfants. Et là, je reçois encore un message comme quoi il y a un enfant qu'on a attrapé, qu'on a vu dans le taxi. On a vu le taximan avec un enfant dans son taxi. Et puis, vous voyez? N'importe qui vient et kidnappe. Tout ce que nous on fait, c'est dans les réseaux sociaux. Hein? Il y a un compatriote qui vient me dire que oh, caca dérangé. Il n'y a que vous qui parlez dans les réseaux sociaux. Ici, c'est rien. Mais c'est normal. On veut gagner ces personnes avec un genre de stratégie. On veut battre ce système avec ce tel genre de stratégie, avec tel genre de politique. Je n'arrête pas de vous dire ici que mes chers compatriotes, nous sommes orphelins, les Gabonais. Les Gabonais, nous sommes orphelins. Nous n'avons pas d'alliés. Nous n'avons pas de pays alliés au Gabon. Jamais. Parce que si nous, petits peuples gabonais, avions des alliés, des pays voisins, il y a longtemps, ces pays-là seraient venus nous aider, seraient venus nous soutenir, seraient venus nous porter main forte
Mais nous sommes des orphelins. Nous sommes abandonnés, nous sommes enclavés nous-mêmes dans notre Gabon. Nous sommes seuls. Seuls à mener ce combat et seuls à libérer le Gabon de toute cette racaille. Nous sommes les seuls. Continuez à avoir peur. Continuez à dire que vous êtes dans les réseaux sociaux. Continuez à dire que je ne peux pas sortir. Mais je vous interdis ici, là. Moi, je ne fais pas semblant avec vous, non. Le jour que j'ai envie de vous donner des compliments, je vous donne des compliments. Je vous interdis ici de venir balancer les vidéos des enfants qu'on kidnappe si au Gabon, il n'y a pas assez d'hommes qui ont les... Si au Gabon, il n'y a pas assez d'hommes qui ont de la force, je n'ai pas envie de vous insulter, j'espère que mon père n'est pas connecté. Si au Gabon, il n'y a pas assez d'hommes pour sauver notre pays. Vous comptez sur les femmes. Vous comptez sur la jeunesse. Les mêmes personnes, vous êtes de la même génération, la plupart d'entre vous êtes de la même génération de toutes ces personnes que tuent les Gabonais. Vous êtes de la même génération. Encore pas qu'à une génération quelque part. Tel ministre a une génération quelque part. Vous êtes de la même génération. Vous pouvez utiliser les mêmes armes qu'eux. Vous comptez sur qui, cher peuple gabonais? Vous voulez faire la guerre contre qui? La guerre comment? Comment voulez-vous gagner cette bataille si vous n'êtes pas capable de dire stop? La dernière fois, on a dit qu'il devait avoir une marche lundi 20. Je n'ai pas pu parler de ça parce que j'étais déçue. On a compté quelques femmes. Toujours les femmes et encore les femmes. Il n'y a que des femmes qui doivent se sacrifier. Il n'y a que des femmes qui doivent être devant la scène gabonaise. Toujours et toujours les femmes. On a vu quelques femmes assises. Les hommes ne peuvent jamais porter courage, secours. Dans nos villages, on dit souvent que quand il y a une bataille quelque part, c'est les femmes derrière. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Non, vous, c'est derrière une femme forte, se cache un petit homme. Derrière une femme courageuse, se cache un mandango de homme. On vous dit que nous sommes en guerre, vous êtes là posé. On nous dit que nos enfants sont en danger, vous êtes là posé. Vous connaissez où habitent toutes ces personnes? Il n'y a pas d'homme au Gabon pour venir venger les enfants gabonais. Il n'y a pas d'homme au Gabon pour. Non, il faut compter sur les petites femmes. Il faut compter pour les petites femmes. Vous êtes là, vous venez féliciter les gens. On tue vos enfants, vous félicitez les gens. Hein? On tue vos enfants, vous venez féliciter les gens. Je ne peux pas nous comprendre, je ne peux pas comprendre dans quel état nous sommes devenus. Comment on peut enlever les enfants en moins de un mois, au mois de janvier? Il y a au moins 5 enfants disparus, il y a au moins 10 enfants disparus. Je ne sais même plus si j'ai envie d'exagérer, il y a même 100 enfants disparus. On fait seulement les publications, on fait quand même les lives, on fait quand même les publications. Il y a eu une marche lundi, quelques petites femmes. J'étais déçue. Vous ne savez même pas, au moins 5 ou 10 femmes étaient regroupées. Toujours les femmes. Encore les femmes. Vous connaissez seulement que mettre vos pupilles là dans les toutes les femmes, vous êtes incapables de protéger vos enfants. Des hommes gabonais. 1 million d'âmes qui vivent au Gabon, vous êtes incapables de mettre stop à cette stratégie qui se passe dans notre pays, à cette guerre que les gouvernants de notre pays mènent contre nous. Toujours avoir peur. Toujours avoir peur. Aujourd'hui, on a attrapé 2 enfants, c'est aujourd'hui ou hier, dans les PK. Aujourd'hui, on a encore vu dans un taximan un jeune enfant. Le taximan a fui. Regardez, ça devient vite. Ça devient. Non, je suis dans un film Far West, je ne sais plus comment vous appelez ça. Hein? Cher peuple gabonais, je vous le répète ici. Tu es responsable de l'avenir de ton enfant. Tu es responsable de l'avenir de tes enfants. Personne ne viendra nous faire quoi que ce soit. Et si j'appelle, si je peux faire, même si je m'avais fait SOS, là je vais peut-être aller à ma soeur au centre-ville là-bas, dit que bon, je m'en vais crier devant la chaîne radio BBC ou BBC là. Je suis en train de faire la folle là-bas, une manifestation spontanée, je suis en train de crier. Et SOS, Alep, peuple gabonais, SOS, Alep, ils vont faire quoi? Ils vont filmer, ils vont peut-être parler de ça. Aucun pays étranger ne viendra sauver les enfants gabonais. Tuer les petits assassins, ce n'est pas la solution même. C'est la solution 2. Les vrais coupables qu'on doit tuer, c'est la racine.
C'est la racine. Commencez par tuer tous les politiciens, toutes les autorités, toutes les autorités. Voici comment on va délivrer le Gabon. Voici comment on va délivrer le Gabon de cette guerre. Oh, vous pensez que comme c'est l'enfant d'Abaga qu'on a arrêté là, ça ne me concerne pas. C'est l'enfant de qui qu'on a arrêté encore là, ça ne me concerne pas. Vous pensez que comme c'est les enfants des autres qu'on arrête là, ça ne me concerne pas. Vraiment, nous sommes bouffés. Vraiment, ce qui se passe au Gabon n'a pas de nom. L'état actuel du Gabon, du peuple gabonais, n'a pas de nom. C'est eux contre nous, mais on a décidé d'être les victimes. C'est les gouvernants contre nous, mais on a décidé d'accepter d'être victimes. Tu es où en ce moment? Tu veux me localiser? C'est moi que tu veux localiser? Va localiser un corbe calé. Moi, je m'en fous. Je suis en enfer. Va localiser un corbe calé. Va localiser Frédéric Bongo. Va localiser Patience Tabani. Va localiser tous les ministres là. Il ne faut pas me localiser. Ma présence où je suis va te faire quoi? Où je suis va changer quoi? Je suis en enfer. La terre où je suis là, je suis en enfer. Oui, nous sommes en enfer. Nous ne sommes pas en vie. Nous sommes en enfer. Parce que je ne vois pas quel parent, même si tu as envie d'être heureuse, tu as envie de t'épanouir, tu ne peux pas. Tu te lèves un bon matin, boum, on a enlevé deux enfants. Tu te lèves un bon matin, boum, on a attrapé un enfant dans la voiture. Tu te lèves, boum, on vient d'attraper un voleur. C'est tous les jours. Il n'y a pas une seule jour, on va te dire aujourd'hui au Gabon une nouvelle qui change des choses. Genre, je dors. Genre, je dors et puis je me lève un bonjour et j'entends aujourd'hui le peuple gabonais a eu raison du ministre comme il a été, comment on appelle, il a été battu en publiquement, je ne sais pas quoi. Vous avez toujours peur. Toujours peur de mots. Or, il ne faut pas faire incitation à la haine. C'est nous qui allons faire incitation à la haine alors que nous, on meurt. Hein? La France ne sait pas que les enfants gabonais se font enlever et tuer au Gabon? La France n'est pas au courant que les gouvernants gabonais, pour maintenir le poste, sacrifient les enfants? RFI ou RKOMA ou quoi, n'avait pas fait une émission comme quoi que les coups retiennent au Gabon? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Hein? Vous pensez que l'État européen, américain, asiatique, qui n'est pas au courant qu'au Gabon, pour devenir ministre, il faut tuer le Gabonais? Donc quand on vous demande ici que tuer les aussi? Des hommes paresseux. Aujourd'hui, je parle aux hommes. Parce qu'au Gabon, la seule classe ou le seul peuple qui s'élève, c'est la femme et la jeunesse gabonaise. Vous, les vieux hommes, là, vous êtes assis des peureux qui a affaire de la sorcellerie. Il n'y a pas d'hommes au Gabon. Vous continuez seulement à prendre vos pupilles, là, qu'elle est placée ça partout et on tue vos enfants. C'est tout ce que vous connaissez, peuple, les hommes gabonais. Vous êtes incapables de sauver votre nation. Vous êtes incapables de protéger vos femmes, de protéger vos enfants, les hommes gabonais, bande de tocards et de peureux. Voici d'autres hommes. Ce sont des hommes qui envoient d'autres enfants tuer vos enfants. Vous êtes incapables, les hommes gabonais. Une bande d'incapables. Toute une bande d'incapables. Toujours derrière les ordinateurs. La personne qui va encore me féliciter, si je l'affiche dehors. Tu me félicites pourquoi? Moi, ils sont en train de crier dehors, ils sont en train de te donner le courage. Je te donne le courage de voir ce que tu dois faire. Toi, tu viens me féliciter. Bravo pour ce que tu fais. Toi, avec ton vieux âge de 60 ans, tu viens me féliciter. Hein? Donc, on tue ton enfant, on tue les enfants. Non, ici, ça ne va pas, ma fille. Ça ne va pas ici, ma fille. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? C'est toi qui es sur le pays. Toi, mon papa. Toi, nos pères. Nos oncles, vous êtes sur le pays, vous ne faites rien. Vous pensez que nous, les petits enfants, nous sommes à l'étranger, nous allons faire quoi alors que vous êtes sur le terrain? Hmm? Adon, ça te recrée dehors là. Je vais aller faire ma manicure. Je voulais vous juste venir confirmer, ajouter au peuple gabonais ici que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
prenez les définitions de mots au sens propre, au sens figuré. Nous sommes en guerre au Gabon. On tue vos enfants tous les jours, ça c'est une guerre. Ou bien employer les mots que les Français utilisent, ou bien l'Amnesty International va utiliser le génocide. Nous sommes en génocide. Le peuple en voie de disparition. Et le peuple préfère se taire. On attend quelqu'un d'autre qui viendra, je ne sais pas où. Hein? Depuis que le combat de 2016 a commencé, il y a quelques hommes de la diaspora. Les hommes au Gabon, il n'y a rien. Si ce n'est pas la petite jeunesse gabonaise qui se lève un peu, après ils ont peur, ils se mettent à côté. Si ce n'est pas les pauvres petites femmes qui se lèvent à l'aide, non. On n'a pas vu un mouvement d'hommes de papa gabonais. Non, une bande de peureux, de sorciers. On n'a pas vu un groupe de papas gabonais se lever. Attends. Donc vous êtes complices. On tue vos enfants, vous êtes assis, vous êtes les complices. Nous allons parler de ça jusqu'en... S'il te plaît, tu parles doucement parce que j'ai en train ici de boire un café, de me relaxer, d'accord? De quoi? Les gens ici... Je suis dans un lieu public, non? Non, j'étais dans mon café. Là, c'est de... ok. Non, le public, c'est je suis dans un lieu public. Non, je suis pas dans un lieu public. D'abord, secondo, tu n'as rien à boire. Bah, tu m'as pas proposé? Je ne t'ai pas proposé. Bah, il faut que tu vois que tu es assis. Non, je ne t'ai pas proposé. Monsieur, ne me faites pas le bruit, là, je suis trop énervé, donc je ne peux pas m'embêter. Quand je suis énervé, je ne vais pas combien m'embêter. Non, je suis en train de poser les gens, en train de relaxer les bois. Donc voilà, ce que tu es en train de dire. Amène-moi alors. Rien du tout, il faut que tu ailles là-bas, je ne travaille pas. Donc moi, c'est moi qui t'ai manqué de respect, toi tu m'as respecté là. Comment je ne t'ai pas respecté? Toi tu m'as respecté. Comment je ne t'ai pas respecté? Mais voilà. Oh, tu ne respectes pas quelqu'un, tu viens, tu dis que parle doucement. Je parle doucement, ouais. Mais voilà, moi aussi je parle doucement. Gentiment, je te dis ça. Et moi aussi je suis doucement. Je parle gentiment. C'est mon accent parce que si je parle non, mauvais. Mais vraiment, je ne prends pas. Voilà, mais je n'ai pas envie de boire. Si je vais boire, je rentre. Tu ne peux pas rester ici. Mais non, je suis dans un droit public. Il ne faut pas m'énerver là. Non, ce n'est pas public. Non, donc, il faut que tu te lâches tout de suite. Ok, donc je veux que tu quittes HM. Même si je quitte HM, je serai chez toi. C'est mon cher. Il ne faut pas m'énerver quand même. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, peuple gabonais. Donc. Donc je suis en train de crier dehors là. Je suis en train de crier dehors. Et donc voilà, je suis dans... Tu es en train de crier dehors. J'ai fait le bruit aux gens. Non, ok. C'est clair. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Nous sommes dans une guerre sans fin. La guerre que nous menons aujourd'hui, il faut que le peuple gabonais gagne cette guerre. Il faut qu'on gagne cette guerre. C'est eux contre nous. D'accord? C'est eux contre nous. Non, moi, je ne suis pas dedans. On ne m'enlève pas parce qu'il n'est pas encore terminé. S'il a la force, je vais m'enlever. Moi, je te tue. Hein. C'est eux contre nous. D'accord? Les hommes gabonais ne respectent personne. Les hommes gabonais sont incapables de protéger nos enfants. Ils sont incapables de protéger nos enfants. Ils sont toujours là, assis. Attendre que la femme doit faire quelque chose. C'est la femme qui doit venir. C'est la femme qui doit s'élever. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, c'est nous qui allons délivrer nos enfants de là. En fait, je fais les ongles à côté. Et je suis assise dans un café. Que j'ai fait le bruit, pas juste dans un droit public. S'il faut, il n'y a que caterpillar. C'est que je n'ai pas coupé mon live là. Moi, si tu tues, il n'y a que caterpillar pour m'enlever ici. Il n'y a que le locataire. Je suis bandit, je m'en fous. Je suis têtu, je suis mort vivant. Où je suis assise là, il n'y a que le locataire. Même si c'est son salon, même si c'est son truc, c'est dehors. Je suis assise dehors, c'est un café dehors. Il n'avait qu'à mettre ses chaises dedans. Si c'est sa chaise, j'enlève. Il n'y a que le locataire pour m'enlever ici. Ou bien moi-même quand je veux. Tu blagues avec Claire. Je suis une Gabonaise, je suis une fille d'Abénélan. Donc je vais aller faire mes ongles. Je vais aller faire mes ongles, j'ai terminé. Comme je vous disais. Moi, c'est une bandit. Il n'y a que le locataire pour m'enlever. Attends, je vais demander si pas. I'm ready. Yeah. What do you want today? I'm change nail. Nail, yeah. Yeah. Thank you. Quelqu'un a pris même ma place déjà. Donc, voici tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis déjà rentrée dans le salon, donc là c'est encore plus calme parce qu'il y a d'autres personnes, si je peux vous montrer. Je vais refaire le live tranquille.
Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là aussi nombreux. J'espère que vous avez partagé le direct. Sorry. J'espère que vous avez partagé le direct. Tout ce que je demande au peuple gabonais, c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les gouvernants. C'est eux contre nous. Et mettons les stratégies en place. Mettons les stratégies en place pour finir avec. Ah, you finish? Non. Ah, ok. Oh. T'as pris ma place, merde. Faut d'aller parler. So. Je vous remets le direct plus tard le soir, quand je serai bien tranquillement à la maison. Là, c'était le coup de colère. Vous savez que moi, j'aime agir avec émotion. Là, c'était le coup de colère quand j'ai vu les vidéos qu'on a tapé le petit voleur, le criminel là. C'était l'émotion qu'il fallait que je parle aux Gabonais que nous sommes en guerre et que les gens qu'on doit tuer, ce sont les commanditaires. Donc, je reviendrai vers vous regarder le visage de Tata Dérangé. Je reviendrai vers vous tout à l'heure là, dans la soirée. Je vais un peu changer ma vieille perruque, l'amour aussi. Oh. Excusez-moi, je suis dérangée vraiment. Je serai de retour dans l'après-midi. Excusez-moi, je termine d'abord ce que je sentais de faire. Hein? Vous savez que j'ai mon péché mignon, ce sont mes ongles chaque mois. Donc je vais d'abord terminer avec et puis je reviendrai. Merci à tous et à bientôt, à tout à l'heure.